même la brochette va être étroite quand même. Benoît Allard, comment s'est passé le rallye de Métay pour vous ? Ah ben, plus que bien, hein, vu qu'on est à l'arrivée alors qu'on a eu des conditions vraiment hyper condrusiennes. C'était vraiment très très piège, partout, un parcours très vite, et dans ces conditions-là, c'est déjà bien d'être à l'arrivée. Un bon test pour le Condro si vous participez ? Ah, c'était le but évidemment, c'était de faire un test grandeur nature pour le Condro, dans des conditions que je connaissais pas bien avec la voiture. Depuis le début de saison, on n'a pas vraiment eu l'occasion de rouler sur la pluie ou sur le gras, ou très peu. Donc ici, on a eu ça du début à la fin, donc c'était vraiment parfait. C'était vraiment pas facile avec une propulsion. Ce matin, ça allait, mais dans la journée, la pluie nous a fait des dégâts. Et la route, même des cailloux, dans une propulsion, c'est vraiment pas facile pour rouler. Et les 4x4 font vraiment vite, mais on est arrivé deuxième. Je ne crois pas encore, mais c'est vraiment très très bon pour nous. La septième fois qu'on vient ici rouler, et on vient tous les années. C'est vraiment fantastique. Nicolas Gillard, comment s'est passé le rallye de Métay pour vous ? Ça s'est très bien passé, ça a été positif. Bon, des routes très grasses, c'est vraiment pas évident. Même qu'on a quatre roues motrices, faut tout le temps rester dans les traces. Mais bon, dans l'ensemble, un petit peu de problème dans la dernière boucle. Sinon, j'avais une bonne vingtaine de secondes d'avance sur le troisième. Bon, eux aussi ont eu leurs problèmes aussi. Et bon, ben, pour finir, je suis quand même redescendu troisième. Et voilà, que du bonheur. Que du bonheur. Bah, ça a été bien jusque ici les deux dernières spéciales où j'ai eu un dératé moteur pendant au moins 5 km dans l'avant-dernière et dans la dernière, plus d'interphone. Sinon, à part ça, c'était bien. On était à un moment 3 et puis maintenant, je pense qu'on repasse 5-6. Un beau parcours et vous continuez à apprendre l'auto malgré tout. Ouais, un beau parcours. Il y avait un moment où j'étais plus venu ici et puis c'était chouette. Merci. Au début un peu compliqué vu qu'on crève, on perd pas mal de secondes, on était je pense 11e
Et puis après, on apprend à prendre l'auto, on avance, on profite des erreurs des autres. Et dans la dernière, on se rend compte que si tout va bien, on gagne le rallye, donc c'est bon, quoi. Une belle remontée au fil de la journée avec la crevaison de la deuxième spéciale. Ah ouais, vraiment une belle remontée. Je remercie tout le monde et ma fille est avec moi, donc je suis super content. Félicitations. Ben oui, apparemment, a priori, on pourrait gagner le rallye. Apparemment, il y a encore des temps qui doivent être discutés en commission de course, etc. Maintenant, c'est vrai que grosse surprise, au matin, on a une spéciale qui ne nous a pas réussi. C'est la première, c'est la chaud, et donc à chaque fois, on se faisait mettre du temps. Dans les autres, on a très bien roulé, on a été très bien dans le rythme. Ça nous a rassurés par rapport à nos performances pour le moment. Et effectivement, un sacré dénouement dans la dernière spéciale. A priori, une victoire générale. On va attendre la confirmation des temps, mais ce serait vraiment merveilleux. Okay, merci. Pas très bien. En fait, on pensait avoir un rythme correct dès le départ, mais en fait, on était nulle part. Je pense qu'on a beaucoup encore à apprendre, je veux dire, sur le gras. Maintenant, au fil de la journée, tout s'est bien passé. Je vais même dire qu'on commence un petit peu à gérer beaucoup mieux la voiture avec la puissance, parce que franchement, sur le gras, c'était beaucoup plus approprié pour les petites voitures que pour les grosses. Et d'ailleurs, chapeau aux divisions qui sont devant nous au niveau du classement. C'est bravo pour eux. Apparemment, une quatrième place qui n'est pas trop mal vu le parcours et les conditions climatiques. Exactement. Maintenant, on n'a pas beaucoup de roulage cette année-ci, mais c'est vrai qu'une quatrième place ici, vis-à-vis les conditions comme vous le dites là, en effet, je pense que c'est très bien. Voilà. Oh, très bien. Écoute, un petit peu comme pour tout le monde, je pense. Très, très délicat le matin. Bon, l'après-midi, ça a été un petit peu mieux, il y a des endroits qui devenaient plus glissants, il y a des pièges qui se faisaient au fur et à mesure de la journée. Un vrai rallye de Mété, quoi. On s'est bien amusé, on est au bout, il n'y a pas de boss, tout va bien. Et avec ça, quand même un top 5, donc c'est magnifique. Et apparemment une quatrième place au général avec une dernière boucle qui a tenu toutes ses promesses et qui a chamboulé pas mal de choses dans le classement. C'est sûr que la dernière boucle a chamboulé beaucoup de choses. Finalement une quatrième place, c'est dommage pour Karl qui est sorti dans la dernière, parce qu'il avait fait une super super course aussi. Malheureusement c'est la course. Hein. Merci. Christopher Maric, alors après ce rallye de Mété, vous voilà champion copilote en division 4 dans le Namurois. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Très bien, on démarrait la saison, c'était notre objectif, on faisait le championnat Namurois. Enfin, on visait un ou moins top 5 et on le gagne, donc c'est magnifique, c'est magnifique. Ce rallye de Mété s'est bien passé pour vous à la droite de Nicolas Gillard? Oui, très bien, ça a été mouvementé, donc un peu de pluie au matin, enfin, c'était toujours fort glissant. Ici dans la dernière, j'ai perdu la lampe pour lire mes notes, enfin, c'était scabreux on va dire. Ok, merci. Thank you.
We'll be right back.